Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale élection européenne, notre première invitée est Françoise Sivignon de la liste Génération de Benoît Hamon. Suivra dans une deuxième partie d'émission Delphine Bateau pour la liste Génération Écologie. Bonjour Françoise Sivignon. Bonjour. Médecin de formation, vous avez toujours été très engagée dans le domaine humanitaire, aux avant-postes dans le combat contre la pandémie du sida, et vous avez été également présidente de Médecins du Monde de 2015 à 2018. Vous avez décidé de rejoindre la liste Génération, conduite par Benoît Hamon. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent de La Croix, Romain Masneau de RCF et Louis Dauphren de RCF. Alors avant de passer la parole à mes confrères, une première question comme je la pose à tous les invités de cette spéciale élection européenne. Quelle est votre ambition pour l'Europe? Quelle est votre ambition de génération pour le projet européen? Alors, je crois que c'est une ambition qui correspond à une continuité d'engagement, en fait. Comme vous l'avez mentionné, moi, j'ai 35 ans d'engagement et de militance dans des organisations de la société civile et de tout ce qui touche à la solidarité et aux défenses des droits fondamentaux m'importe. Et c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai rejoint la liste de Benoît Hamon à travers les propositions qui me convenaient. Je me retrouvais complètement dans les propositions qui ont été faites. Voilà, ils sont... venu vous chercher, on peut le dire comme ça, d'une certaine façon, Benoît Hamon, la liste Génération, avait envie d'amener à lui des personnes qui viennent non pas du monde politique, mais de la société civile et du monde associatif. Je crois que c'est vraiment l'ambition de faire de cette liste autre chose que des listes traditionnelles, issues de partis traditionnels. Et en l'occurrence, les 30 premiers noms de la liste sont sortis et on a une grande diversité dans le genre, dans les compétences, dans nos horizons. On porte un socle commun, évidemment, mais je pense que de ce point de vue-là, on a une liste extrêmement diverse et attractive pour porter l'Europe de demain. Une Europe qu'on souhaiterait plus démocratique, plus verte, plus respirable aussi. Et les valeurs, peut-être aussi, une Europe des valeurs où l'homme soit un peu au centre, puisque c'est aussi message que vous portez, vous, en tant qu'humanitaire et engagé dans le monde associatif. Absolument. On voit bien comment la démocratie participative est bousculée en ce moment, représentative, pardon, est bousculée en ce moment, et donc le fort besoin des citoyennes et des citoyens de plus de démocratie participative. Alors moi, j'ai toujours travaillé en proximité avec les personnes qu'on accompagnait à travers les organisations et les activités des organisations de la société civile, donc la préoccupation de mettre les personnes, les citoyennes et les citoyens au centre de nos préoccupations, et donc au centre des préoccupations européennes, est très très forte dans le programme. Une première question, cette première partie de Corinne Laurent de La Croix. Oui, c'est un prolongement de la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la politique ne se fait-elle pas hors des partis? Ah oui, et on voit bien, surtout en ce moment, je dirais de façon très prégnante et très visible, comment les organisations de la société civile sont innovantes dans leur façon de porter précisément cette démocratie participative, de proposer des choses innovantes. Outre des pétitions, les gens sont dans la rue avec des vraies revendications à plusieurs niveaux, en fait, sur des problèmes économiques, sur des problèmes de santé. Donc, les citoyens veulent s'approprier les propositions des politiques. Et là, on est en train de dire, OK, nous, on veut être partie prenante de ces propositions, les construire ensemble, les porter ensemble avec ces citoyens. Vous avez été une femme, vous êtes toujours une femme très engagée sur le terrain, mais je crois que vous dites avec une vision politique, ça n'empêche pas une vision politique. Pour autant, est-ce que vous ne pensez pas que la gauche est aujourd'hui très éclatée et qu'elle risque d'être inefficace, de ce fait, dans les institutions européennes? Alors, deux choses. Oui, vous pointez le fait que on a souvent l'impression que les organisations de la société civile n'ont pas de volet de composantes politiques. On est éminemment politique. La façon dont l'organisation dont j'étais présidente, Médecins du Monde, portait le soin sur les terrains d'intervention, c'est éminemment politique. C'est-à-dire qu'on entend changer les normes, les pratiques et les lois, accompagner un changement social avec les populations, jamais sans elles. Donc ce volet-là est éminemment politique. Après, oui, la gauche est éclatée. Alors, la liste de Benoît Hamon a proposé une votation citoyenne. C'est donc
un mode très innovant, encore une fois, qui n'excluait personne, qui était très englobant. Ça n'a pas été accepté. Alors, bon, je ne vais pas répondre à la place de ceux qui n'ont pas accepté. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Donc, du coup, pour l'instant, on va dire, on y va tout seul, mais il y a encore quelques temps avant les élections. Il y a eu des initiatives de place publique pour essayer de remettre ensemble les morceaux du puzzle, ça n'a pas marché. C'est oui, quand même un constat d'échec pour le. C'est une question de stratégie d'alliance après à venir, peut-être, voir comment on va se situer, avec quelle alliance au Parlement européen. En l'occurrence, M. Hamon ne considère pas d'alliance avec le Parti socialiste européen en l'état. Donc voilà, il y a des petites divergences stratégiques, même si sur le fond, les programmes se ressemblent. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quelle est, une fois l'élection passée, le 26 mai, les alliances possibles? On a compris qu'il ne voulait pas être avec son ancienne famille socialiste, mais est-ce que des rapprochements sont possibles avec les écologistes ou d'autres formations européennes? Alors écoutez, deux choses. D'abord, on est partie prenante d'une alliance transnationale qui s'appelle le Printemps européen, avec des partenaires, donc partis politiques, mouvements politiques, dans 10 pays différents. Donc ça, c'est la première chose. On a quand même un socle de propositions communes et on est les seuls à avoir cette liste transnationale, ce programme transnational. Donc c'est vraiment important. Avec le grec Yanis Varoufakis. Absolument, avec le monsieur Varoufakis. Et donc, ça donne de la force aussi à notre mouvement, je pense, de proposer déjà les alliances. On verra, je dirais. Après, on verra avec qui on s'allie en fonction de ce que nous, déjà, on a de construit et d'existant, qui est ce printemps européen. Il y a une multiplication des listes, aussi bien à gauche qu'à droite. Est-ce que ça ne fait pas le jeu, ça, d'Emmanuel Macron qui dit, voilà, le match important, c'est La République En Marche contre le Rassemblement National? Alors, nous, on dit, il y a une alternative à ces deux blocs, dont on ne partage pas évidemment les propositions. Et cette alternative, la seule alternative de gauche en l'état, construite encore une fois en transnational européen avec des vraies propositions pour plus de justice sociale, de justice environnementale, c'est Génération et le Printemps européen. Voilà. Et donc on s'inscrit bien dans quelque chose de différent. Et le terme de citoyen est vraiment important pour nous. Encore une fois, ça transparaît dans notre liste et dans les propositions, bien évidemment. Et quels sont les arguments que vous avancez pour enrayer cette vague populiste dont on dit qu'elle sera tout de même très forte au Parlement européen? Est-ce que vous mettez l'accent sur des propositions en particulier? Alors, certainement autour des questions migratoires, parce qu'on verra et on voit déjà combien ce thème est instrumentalisé. Il est depuis de nombreuses années, en l'occurrence de façon plus visible depuis les premières arrivées importantes en 2015. Donc sur les questions migratoires, certainement, il y a de grandes divergences et sur d'autres points également. Mais principalement, je crois, en termes de défense des droits fondamentaux, cette divergence, elle se fait sur les questions migratoires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a écrit une tribune s'adressant directement à tous les citoyens européens. Alors, je ne dis pas sur le fond, mais sur la méthode, sur la forme. Est-ce que cela vous paraît normal, le président de la République s'engage comme ça dans la campagne, ou est-ce qu'au contraire, il y a un problème de rôle et de... Alors, problème de rôle, peut-être. Problème de rôle, peut-être, parce qu'en fait, le temps pris par les médias et la présentation de, finalement, des propositions à l'occasion des questions posées au grand débat peut poser problème. Parce qu'il n'y a pas eu l'équivalent pour l'instant, c'est pas qu'on le demande tout de suite, mais je pense qu'il y a quand même une visibilité que les partis plus petits ou les mouvements plus petits ou les mouvements naissants ne peuvent pas avoir. Après, sur le fond, et si on en revient aux questions migratoires, notamment sur la proposition de repenser l'espace Schengen, on y est déjà, hein, les frontières entre la France et l'Italie sont fermées, entre l'Allemagne et ses voisins, donc on est déjà dans quelque chose qui, nous, ne nous correspond pas, c'est-à-dire que l'axe qui a été pris depuis longtemps, c'est une Europe qui sécurise, qui ferme les frontières et qui rejette à l'extérieur les gens qui auraient droit à l'asile, pour certains. Donc sur cet axe-là, on est en très grande divergence. Très grande divergence. Donc Schengen, c'était une proposition de M. Sarkozy d'ailleurs, à l'époque, en 2014, je crois. Une dernière question de Corinne Laurent de la Croix. Oui, la campagne européenne qui démarre lentement est confrontée à un autre sujet d'actualité, le grand débat et la suite du mouvement des Gilets jaunes. Comment vous positionnez-vous par rapport à ces propositions qui vont émerger? Qu'est-ce que vous faites valoir?
Nous, on est, même sur les terrains, on va beaucoup sur les terrains. On va en proximité des personnes, comme je vous le disais. Donc, on rencontre des gilets jaunes, des salariés, comme hier, où on était près de Caen, dans un village qui s'appelle Cagny, où une usine, une sucrerie va fermer. Donc, voilà, on est évidemment à l'écoute des préoccupations des Françaises et des Français. On va écouter ce qui va ressortir du grand débat. Pour l'instant, il y a eu quelques ébauches de propositions. Je pense que l'écoute des Françaises et des Français, on l'a déjà eue. On l'a déjà eue. Et c'est précisément la raison pour laquelle, dans la liste, sont présentes des représentants d'organisations de la société civile. Parce que cette écoute, elle est pour nous depuis des années, elle est quotidienne, donc les préoccupations, on les connaît. Et donc ces préoccupations, elles sont adossées à de vraies propositions. – Merci Corinne Laurent. Dans quelques instants, c'est donc une deuxième partie de questions qui sera posée par Romain Masneau, plus sur les aspects justement des questions migratoires, après une première partie qui concernait plus la politique. Alors Romain Masneau de RCF. – Bonjour François Sévignon. – Bonjour. – Est-ce que finalement le pape n'est pas le lanceur d'alerte mondiale numéro un sur la question des migrants ? Ah mais sur les questions migratoires, il a eu un courage de parole à souligner, absolument. Il y a eu cet épisode donc il a reçu au Vatican, je crois, un certain nombre de familles, dont une famille syrienne, dans mon souvenir. Donc oui, dans les propos, malheureusement peu suivi des faits s'il interpellait les États européens, il a eu des propos ouverts et comprenant les préoccupations des personnes qui arrivaient sur le territoire européen. Préoccupation, c'est un mot faible, hein, je veux dire, pour avoir été en grande proximité avec ces nouveaux arrivants qui ne demandent que un répit dans leur vie, dans leur parcours qui a été, pour la grande majorité, absolument terrible. Oui, les paroles qu'il a eues à cette rencontre étaient tout à fait apaisantes. Est-ce que on voit bien que l'Algérie retient beaucoup de migrants subsahariens et elle en expulse aussi beaucoup vers leur pays d'origine. Compte tenu de la situation politique aujourd'hui en Algérie, est-ce que vous pensez possible un afflux massif de migrants en France ? Alors, à ça, je vais répondre. Là encore, on est dans l'instrumentalisation des partis extrêmes sur cette arrivée potentielle des Algériens. J'écoute, comme vous, mes informations, je lis les journaux. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens mettent des affiches dans les villes principales en Algérie en disant « Nous, on a envie de rester chez nous. On a envie d'être dans une Algérie plus démocratique, plus ouverte, plus citoyenne. » Donc, c'est vraiment comment on instrumentalise, encore une fois, ces problèmes de migration à l'aune de déclarations. En fait, ceux qui déclarent ça se substituent aux Algériennes et aux Algériens eux-mêmes, vous voyez. Et de façon générale, les gens n'ont pas envie de quitter leur pays. Je crois qu'il faut vraiment pointer ça. Ils partent pour des raisons de conflits, de crises extrêmes, de crises environnementales, de crises politiques. Mais on n'en est pas là en Algérie. Donc, pour l'instant, voilà, il y a une réorganisation de ce pays, mais laissons les Algériennes et les Algériens décider eux-mêmes de la façon dont ils ont envie de porter la démocratie chez eux. Est-ce qu'il faut des quotas de migrants ? On en parle beaucoup en Europe, mais il y a beaucoup de pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est qui ne veulent pas en entendre parler. Quelle est votre position là-dessus ? Alors moi, le terme quota ne me convient absolument pas. Écoutez, là aussi, on est dans quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. En France, il y a eu environ 120 000 demandes d'asile en 2018, avec un taux d'accord d'environ 36 %. Donc vous voyez, le nombre est autour, je crois, de 42 000, 43 000. Sur toute l'Europe, on arrive, en tout cas dans les dernières années, là, à des chiffres qui sont, au regard de la démographie européenne, qui sont… Enfin, c'est juste négligeable dans le sens, ce n'est pas un poids oui, en termes de population. Il y a eu un très fort afflux de migrants en 2015 et rien ne permet de penser que ça ne va pas se renouveler dans les années qui viennent. Là, actuellement, les chiffres sont plutôt bas, mais on peut repartir à des très fortes affluences de migrants. De toute façon, je crois qu'il faut quand même s'accrocher à ce que le droit permet à ces personnes qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sanctuariser le droit d'asile parce que pour l'instant, en Europe, il est bousculé. Nous, on propose aussi une agence européenne indépendante de l'asile qui permette un accueil, une protection et un traitement des dossiers qui soit rapide. Et indépendante, c'est important parce que les ministères de l'Intérieur ne sont pas très loin souvent. Ça veut dire ne pas respecter finalement la souveraineté des États, hein, avoir une vision vraiment fédérale de cette question. Ah, mais il va falloir avoir une harmonisation, bien évidemment. Donc, quota, ça sonne mal parce qu'effectivement, on verra bien comment
l'Europe va, si jamais, mais on ne va pas souhaiter un nouveau conflit non plus, en l'état, restons à l'existant. L'existant, c'est des personnes qui demandent le droit d'asile dans un nombre absolument raisonnable. Donc, accordons-leur l'accueil, la protection, et pas l'indignité et le naufrage européen qu'ont été les politiques migratoires jusqu'à présent. – Oui, vous disiez tout à l'heure, accord de Schengen, vous disiez faut tout remettre à plat, ou ça ne vous convient pas, ce cadre-là? Enfin, quelle est votre philosophie? Donc, qu'est-ce qu'il Schengen, faut faire pour… – Mais enfin, c'est des propos qui sont… D'abord, c'est flou, en fait, ce que M. Macron met sous réviser Schengen. On ne sait pas trop, mais en l'état, les frontières, certaines frontières des pays européens sont déjà fermées. Donc, on attend ces propositions avec angoisse, quelque part. L'objectif, enfin si, l'objectif, il est plus de protection, plus de fermeture des portes, des frontières, plus de contrôle. Est-ce qu'il faut réécrire les accords de Dublin? Je rappelle que c'est le protocole qui stipule que les demandes d'asile doivent être traitées dans le premier pays d'arrivée du migrant. Est-ce qu'il faut les revoir, et dans quel sens? Oui, certainement. Dublin est très inégalitaire en termes de pays d'accueil, parce que ce sont ceux qui sont en proximité maritime, qui finalement l'Italie, l'Espagne, la Grèce à l'époque, qui reçoivent le plus de migrants. Donc effectivement, il va falloir une répartition. Après, l'objectif, c'est quand même que chaque pays européen accueille de façon harmonieuse, là où les gens rejoignent qui des familles, qui des frères. Et donc, on va y arriver. Enfin, je veux dire, je ne peux pas croire que ne s'exerce pas, elle ne s'est pas exercée, la solidarité européenne sur ces questions-là. On est quand même en train de parler de… Enfin, il y a 48% de femmes. Vous vous imaginez les trajets, la violence des trajets et des parcours migratoires, plus les enfants, dont les mineurs non accompagnés en France. Donc, où on tient en compte cette inhumanité qui a fait face aux politiques migratoires, où on remet ça, alors remettre à plat, oui, mais dans le bon sens. Ça veut dire, vous critiquez beaucoup une Europe qui se protège, ça veut dire que vous êtes contre Frontex, contre la protection des frontières? Non, mais en l'occurrence, une des politiques qui a bien marché, c'est Frontex. En termes de financement, ça a été une explosion de… – Très peu de moyens de encore, Frontex. – Oui, mais bon… – Très peu de garde-côtes… On n'a pas dit qu'il fallait ouvrir toutes les frontières non plus, hein, mais je pense qu'il faut réguler, bien sûr, il faut permettre des voies d'accès, des visas humanitaires, des voies d'accès légales, ouvertes, etc. Donc il y a toute une réflexion autour de… Et quand M. Macron dit « je repense l'espace Schengen parce que ça ne correspond pas à la réalité », mais attendez, enfin, il faut qu'ils voient la réalité aussi. Il faut voir la réalité pour adapter une politique migratoire européenne à ce qu'est la réalité. Quand vous entendez dans la société française un besoin d'identité, de frontières, qu'est-ce que vous dites? Vous dites Alors, c'est à côté de la plaque? C'est très simple. Et franchement, je pourrais l'exemplariser avec beaucoup d'exemples. Sur le territoire français, mais ailleurs aussi, les gens savent faire preuve d'humanité et de solidarité. Ils savent faire preuve. Ce n'est pas toujours devant les médias explosifs. Ils savent faire preuve. Ils ont c'est plus que de la compassion. C'est une considération de l'autre, c'est du respect de l'autre. Et franchement, alors quand on nous dit ça pose problème, etc., citez-moi un seul exemple, là, depuis quelques années, d'une intégration qui se serait mal passée dans un petit village, etc. Alors, il y en aura peut-être, je veux dire, mais il ne faut pas non plus décrire ce qui n'existe pas du tout, mais… Tout va bien au niveau de l'intégration en France. Non, je n'ai pas dit ça. Il faudra faire un effort, certainement, d'intégration, d'accès à l'éducation, d'accès au travail aussi, parce qu'une fois que les gens ont l'asile, eh ben, il va falloir dans le process, qu'ils puissent avoir accès au travail, une véritable intégration. Et puis, de toute façon, la démographie est aussi un facteur, quand même. Hein. La démographie est un facteur, en France, pas trop, mais en Hongrie, beaucoup. Merci, Romain Masneau. C'est Louis Dauphresne qui vous posera les questions dans cette dernière courte partie de ce Face aux chrétiens. Vous n'avez pas évoqué l'aide au développement. Beaucoup disent pour aujourd'hui permettre de retenir les migrants qui restent chez eux. Tout se jouera dans l'aide au développement. Il faut aujourd'hui une politique plus ambitieuse que ce qui est fait. Alors il faut une politique coordonnée avec le reste des États européens. Et une aide au développement, c'est un tout aussi. Il faut une coordination entre les agences, entre les organisations de la société civile aussi qui travaillent et qui, là aussi, veulent prendre la main sur l'aide au développement. Voilà, c'est un peu ma réponse sur l'aide au développement. Pour l'instant, elle commence de plus en plus à être affectée aux questions et au contrôle migratoire et à la protection des frontières. Alors c'est Louis Dauphresne de Radio Notre-Dame, mais non pas de RCF comme j'ai dit par erreur, qui vous interroge dans cette dernière partie. Vous êtes né à Nevers. Je voulais savoir si vous aviez déjà regardé le corps de Bernadette Soubirous. Et en tant que médecin, est-ce que ça vous inspirait? Vous savez que ce corps est intact.
Alors, la réponse est oui, il y a très longtemps, je crois, dans mon souvenir avec ma grand-mère qui était de passage. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Vous voulez que ce corps soit toujours intact en tant que médecin, est-ce que ça vous touche ? Est-ce que vous dites c'est de la superstition ? Est-ce que vous dites un jour la science résoudra la question ? Qu'est-ce que vous dites ? Pour être tout à fait honnête, comment vous dire ? Le rapport au corps mort que j'ai pu avoir, c'était à l'occasion d'un stage d'externe en anatomopathologie. Donc j'ai des souvenirs qui ne sont pas bons, voilà, c'est vraiment en toute honnêteté. J'ai des souvenirs qui sont vraiment Mais vous savez qu'il est intact, ce corps ? Il est intact, oui. Voilà, donc, c'est pas que ça m'a évoqué ça à l'époque, parce que j'étais une enfant. J'avais été surprise, je crois, probablement un peu ébahie, en fait, de l'état de conservation. Puis j'étais très contente, parce que ma grand-mère était extrêmement contente également, voilà. Donc, mais on ne peut en tirer aucun enseignement particulier, aucune... je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut en déduire, moi ? Parce que, c'est, en fait, c'est l'attraction de Nevers, en réalité, qui est une ville sinistrée aujourd'hui. Alors, c'est une ville sinistrée. Je ne sais pas si c'est l'attraction principale. Sûrement, encore. Mmh. Moi, j'habite... Enfin, mon père habite encore un petit peu en dehors de Nevers. Alors, c'est drôle que vous abordiez ça par le côté médical, parce que moi, je vous réponds avec un œil médical, quelque part. Ça m'évoque ça tout de suite, vous voyez. Le fait que ce corps sans vie soit là, exposé... Je n'ai pas plus de réponses à vous donner qu'une réponse médicale, à vrai dire. Alors, on va quitter le Nevers pour parler de la relance de la politique européenne, Louis Dauphresne. Oui, mais je voulais faire le lien avec une autre question qui touche quand même aussi au corps. Vous avez, avant de passer à l'Europe, si vous le voulez bien, vous avez un syndicat de médecins obstétriciens qui menace de faire la grève de l'IVG. Alors, ça suscite un tollé dans le camp gouvernemental. Parce que faire la grève de l'IVG est considéré comme une atteinte aux droits des femmes. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là ? Vous vous joignez à ce tollé en disant voilà, c'est inadmissible. Ou alors, est-ce qu'on peut aborder cette question sereinement dans un pays démocratique normal ? Mais écoutez, il y a une loi qui a été votée. Donc, les médecins, comme d'autres corporations, doivent appliquer la loi. Donc, s'ils refusent, s'ils font grève, c'est ça, c'est le mot de grève qui, moi, me choque. Je veux dire, il y a une loi qui a été votée il y a quelque temps déjà, qui a été ardemment défendue, qui est parfois difficile à appliquer parce que, effectivement, certains médecins s'y refusent, pas de façon aussi ouverte que ça. Écoutez, là, on est vraiment dans la liberté de le choix de décider de son avenir, en l'occurrence pour les femmes de ce pays. On a des lois et on les applique, et on les applique à la lettre. Ces médecins se mettent hors la loi. Mais là, l'idée, c'est de faire pression parce qu'il y a des cas d'erreurs médicales qui ne sont pas réglées, etc. Qu'est-ce que vous appelez erreurs médicales ? Moi, je lis ce que disent les médecins en question, hein, sur le ministère, afin de régler le cas de 15 médecins condamnés à de lourds dommages pour erreurs médicales. Est-ce que ça vous semble légitime de faire grève dans ces conditions-là ? Écoutez, je ne sais pas de quelle erreur médicale vous parlez, donc c'est un peu compliqué de vous répondre. Je n'étais pas au courant de cette grève potentielle, c'est ça, de certains gynécologues. La France est un état de droit, donc on applique les lois à la lettre. Je veux dire, si ils se mettent, ces gynéco-obstétriciens se mettent hors la loi. Enfin, c'est une réponse assez claire à une situation. Encore une fois, les erreurs médicales, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc. Alors, Benoît Hamon propose pour relancer le projet européen un traité énergétique. On n'a plus beaucoup de temps là pour discuter de cette relance de l'Europe, mais quel est l'enjeu de ce traité énergétique ? Alors, ce que vous mettez sous le traité énergétique, c'est le New Deal vert, c'est ça ? C'est ce que vous mettez ? Voilà, ce qu'il appelle, lui, le traité, hein, le traité énergétique qu'il propose pour relancer cette politique-là. Oui, donc on est vraiment dans comment on accompagne la transition environnementale, écologique. Alors, le médecin va vous répondre encore une fois. On est quand même au bout d'un modèle de développement. On respire un air pollué, dont on a profité largement à Paris il y a quelque temps, le nombre de morts prématurées par pollution de l'air, je parle des particules fines, au-dessous de 2,5 microns, est supérieur aux morts entraînées par le tabac en France. En Europe, je n'en parle pas. Donc là, on est dans une situation d'urgence, hein, une urgence médicale. En plus, on ne parle pas que de maladies respiratoires, on parle de maladies cardiovasculaires. Donc, il est plus que temps de mettre le paquet sur cette transition énergétique et donc de protéger la santé des personnes à travers un plan fort d'investissement sur une transition écologique qui marche. On fera une Europe
plus saine, plus respirable, encore une fois, plus verte. Et ce qu'il faut savoir, c'est très signifiant, je veux dire, c'est que c'est les personnes les plus précaires qui en profitent, entre guillemets, le plus de la pollution de l'air, de l'impact des perturbateurs endocriniens, encore une fois. Donc, il y a une réforme absolument urgente à faire. Je vais vous poser une dernière question pour conclure cette émission trop rapide, hélas, Françoise Sivignon. Quel est votre message que vous voulez faire passer aux auditeurs face aux chrétiens, aujourd'hui, sur l'Europe que vous voulez? Alors, je pense qu'il y a on va dire deux choses. Il y a une forte méconnaissance des institutions européennes, donc de l'Europe en général, qu'on caricature comme étant technocratique, éloignée des préoccupations des gens. C'est cette Europe-là dont il faut se débarrasser. Il faut la modifier en profondeur. Il faut que les citoyens de ce pays, les citoyennes, s'approprient l'Europe. Et franchement, dans nos propositions, on est bien dans cet étage européen en disant on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de changer dans un modèle de développement durable, bien évidemment. Merci beaucoup, Françoise Sivignon. Nous marquons une première pause dans cette édition particulière de Face aux chrétiens spéciale européenne et nous recevrons dans un court instant une deuxième invitée, Delphine Bateau, pour Génération Écologie. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens spécial élection européenne avec notre deuxième invitée, Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie. Bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Députée des Deux-Sèvres, vous avez quitté le Parti Socialiste en 2018 pour prendre la tête de Génération Écologie, le mouvement fondé en 91 par Brice Lalonde, Jean-Louis Borloo et Noël Mamère. C'est un projet, je vous cite, d'écologie intégrale que vous défendez et que vous expliquez dans ce manifeste que vous avez publié aux éditions du Rocher, préfacé par le philosophe Dominique Bourg. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent de la Croix, par Romain Masneau de RCF et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Et avant de leur donner la parole, une première question, comme je le fais avec tous nos invités, quelle est votre ambition pour l'Europe, Delphine Bateau? Mon ambition est très simple, c'est que l'Europe soit à l'unisson de l'exigence de mesures immédiates et radicales pour le climat, pour le vivant, pour la biodiversité, telle que cette exigence s'exprime demain dans beaucoup de villes européennes et portée par la jeunesse qui est en grève scolaire pour le climat et qui dit cette jeunesse que puisque les gouvernements sont incapables de faire quoi que ce soit et d'être à la hauteur de l'accélération tragique qui est en cours, il faut que ce soit les enfants, les jeunes qui s'expriment. Et voilà, moi, ma volonté, elle est très simple, c'est celle-là. En fait, on est dans un choix binaire aujourd'hui entre l'effondrement de l'Europe, son détricotage, une forme de barbarie, ou la prise en charge de cette urgence écologique. Voilà, c'est ça l'enjeu pour moi des élections européennes. Est-ce que l'Europe, elle reste aux mains des lobbies, de Monsanto, de Volkswagen, des perturbateurs endocriniens, du pétrole, etc., et d'une confiscation démocratique très, très grave, ou est-ce qu'enfin, elle apporte des réponses à cette urgence première? Je vais prendre un exemple. La première cause de mortalité aujourd'hui en Europe, c'est la pollution de l'air. Et on a appris cette semaine par une étude scientifique que tous les chiffres officiels étaient faux, qu'en réalité le nombre de victimes est le double de ce que considère l'Agence européenne de l'environnement. Donc il y a une urgence qui est une urgence planétaire, mais qui est aussi une urgence de vie quotidienne, qui est une urgence de santé publique pour les habitants de l'Union européenne. Une première question, cette première partie de Corinne Laurent de la Croix. Alors, je dirais pour porter cette ambition et presque cette colère, enfin sortir de cette colère, parviendrez-vous à constituer une liste de 79 candidats? Absolument, tout à fait, oui. Vous l'amènerez? Non, moi je suis candidate pour faire élire une nouvelle génération, donc je suis députée actuellement à l'Assemblée nationale en France, donc je n'ai pas vocation à siéger au Parlement européen. Mon but est de faire émerger des personnalités, des générations nouvelles, des personnes qui sont engagées depuis très longtemps dans ces combats de l'écologie, qui sont sur le terrain, qui sont aussi représentatif de ce que je disais sur l'expression de la jeunesse. Et cette liste sera annoncée la semaine prochaine. Avec des personnalités de la société civile, des citoyens engagés ou oui, et vous évoquiez tout à l'heure Dominique Bourg. C'est significatif pour moi que quelqu'un comme lui, qui est un philosophe, qui est un universitaire, qui est engagé depuis 30 ans pour cette cause de l'écologie, qui est un des penseurs de référence, dise... En fait,
il n'y a plus le choix. Il faut s'engager en politique aujourd'hui parce que c'est dans l'espace démocratique que la confrontation entre les terriens que nous sommes et les destructeurs se joue. Vous nous annoncez là aujourd'hui, sur Face aux Chrétiens, que c'est Dominique Bourg qui conduira la liste. Oui, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais oui, d'accord. Absolument. Corinne Laurent. Oui, alors au fond, qu'est-ce qui vous distingue de la liste Génération de Benoît Hamon ou la liste Europe Écologie de Yannick Jadot, finalement? Nous, notre différence, c'est deux choses. D'abord, nous sommes pour l'écologie intégrale. Nous avons la certitude que face à l'accélération en cours, le rapport du GIEC qui dit il reste 12 ans. Ce n'est pas avec des mesures cosmétiques, 3 éoliennes ici, quelques bornes de recharge de véhicules électriques là, qu'on fait face à un enjeu de civilisation urgent. Donc nous sommes pour des mesures plus radicales. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est l'indépendance. Je crois qu'il faut en finir avec une écologie politique qui est une force d'appoint, d'acteurs dominants du paysage politique. Notre grille de lecture entre les terriens et les destructeurs, c'est qu'on va partout en Europe vers un affrontement entre les forces nationalistes, réactionnaires et l'écologie, tel qu'on le voit apparaître en Allemagne, où les deux forces montantes, c'est les Grünen d'un côté et d'un autre côté l'AFD, c'est-à-dire l'extrême droite. Ce paysage politique-là, c'est celui qui va structurer la vie politique en Europe et nous affirmons dans ce contexte-là, l'indépendance de l'écologie. Donc nous ne sommes pas pour faire des alliances avec le PPE, nous ne sommes pas pour faire des alliances avec la LDE, le parti auquel se raccroche La République En Marche au Parlement européen, et dont on a découvert quand même il y a quelques jours qu'il était financé par Monsanto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale démocratique que ça représente, et je ne comprends pas non plus comment on peut envisager, pour d'autres formations que vous avez citées, de s'allier au Parlement européen avec un parti financé par Monsanto. – Donc les Européens au Parlement ont jusqu'ici trahi la cause, ils se sont alliés non, avec le diable ?– Non, il y a de très bons députés européens écologistes de tous les pays. Donc ce n'est pas ça le propos. C'est de dire qu'il faut en finir avec la vision, vous voyez, d'une écologie qui est minoritaire dans le paysage et qui doit s'allier avec les uns, avec les autres. Désormais, c'est autour de l'écologie que doit s'opérer un certain nombre de rassemblements. C'est la raison pour laquelle notre liste est totalement ouverte. Nous ferons une première présentation la semaine prochaine et nous souhaitons rassembler tous ceux d'où qu'ils viennent qui sont convaincus qu'il n'y a plus d'autre urgence que celle du climat et de sauver le vivant. Voilà, on n'est plus du tout, si vous voulez, dans la même notion des rythmes, des échelles par rapport aux transformations à opérer. Mais alors, Corinne Laurent. Oui, quand Yannick Jadot dit une écologie, qu'il prône une écologie ni de droite ni de gauche, mais centrale, finalement, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont lu mon manifeste, et c'est tant mieux. Mais moi, mon propos n'est pas de dire ni, comme ça se disait dans le temps, c'est de dire quel est le nouveau clivage structurant de la vie politique au niveau international, européen et français. Et les conclusions qu'il faut en tirer, c'est qu'on n'est plus dans une stratégie d'alliance. On est sur une écologie politique qui est indépendante et c'est autour d'elle que va s'opérer un certain nombre de recompositions politiques à terme. Parce qu'il n'y a pas d'autre urgence. Excusez-moi, mais tous les autres sujets sont somme toute secondaires et dérisoires. Et c'est en fait à partir de l'enjeu écologique, je vous prenais l'exemple majeur pour ce qui concerne les institutions européennes du poids des lobbies, eh bien on voit bien que cette question de l'écologie, elle est profondément articulée avec une situation de confiscation démocratique qui n'est plus supportable et qui empêche de prendre les mesures nécessaires. Mais vous parliez des Grünen allemands tout à l'heure. Leur stratégie jusqu'ici, c'était au contraire une stratégie de compromis, d'alliance avec les majorités qui étaient au pouvoir. Oui. Là, on n'est pas en train de parler dans les territoires. Dans les territoires, vous avez ce qui se passe notamment dans les Länder, un poids sur les projets et à partir de là, des stratégies d'alliance. Là, la question, ce n'est pas seulement les élections européennes, c'est ce qui va se passer derrière. Est-ce que le parti Les Verts, c'est un des partis de gauche, au fond? Nous, ce n'est pas ça notre stratégie. Voilà, c'est de ne plus être dans une logique d'alliance avec des destructeurs.
Après les élections européennes, que se passera-t-il? Il va y avoir donc on va voir combien ont obtenu les différentes listes qui vont être élues à la proportionnelle à un tour. Hein, donc on aura une photographie. Oui. Qu'est-ce qui va se passer après? Une recomposition de la vie politique française? Pour moi, l'enjeu des élections européennes, c'est de faire émerger dans le paysage politique une force nouvelle. Une nouvelle force politique pour l'écologie en France qui ait vocation à construire une majorité politique pour gouverner le pays. Donc il y a un enjeu par rapport à l'Europe, par rapport à qui on envoie au Parlement européen, et au Parlement européen, nos élus seront membres du groupe écologiste, mais il y a un enjeu par rapport à la situation française. On voit bien cette décomposition du paysage politique dans laquelle il faut créer une nouvelle espérance, voilà, et ouvrir de nouvelles perspectives en résonance avec les mobilisations de la société civile, que ce soit samedi celle de la marche du siècle pour le climat ou celle de la jeunesse. Une dernière question de Corinne Laurent et après on passera à la deuxième partie. On voit bien que les enjeux écologistes sont devenus un combat civique en fait. Est-ce que vous souhaitez après continuer à porter ce combat aux élections municipales qui auront lieu l'année suivante ? À toutes les élections, tout le temps, il faut que l'expression de l'exigence d'une transformation profonde de notre modèle de société, de l'organisation dans nos territoires, d'une résilience, parce que malheureusement, il y a d'ores et déjà des effets certains du réchauffement climatique. Quelles que soient les mesures à prendre d'urgence pour sortir des énergies fossiles, on sait que pour une part, il y a déjà des destructions qui sont irréversibles et qui vont avoir des conséquences lourdes, et ça devient une question de sécurité de la population, de s'organiser pour y faire face. Donc oui, aux élections municipales, régionales, nous aurons vocation à défendre ces idées. Merci Corinne Laurent. Alors pendant que Romain Mazenod prend votre place, vous disiez tout à l'heure opposition entre terrien et destructeur. Lui, le président Macron, fait plutôt un autre clivage, celui des progressistes contre les replis nationalistes. Est-ce que ce clivage-là ne va pas effacer celui que vous mettez en avant entre destructeur et terrien? Mais progressistes, c'est quoi? C'est ceux qui sont pour continuer la destruction actuelle? En fait, cet état de fait construit la montée des peurs, construit l'essor de l'extrême droite dans les différents pays. Et le risque aujourd'hui en France, de la même façon qu'en Italie, si vous voulez, après Renzi, il y a eu Salvini, on sait quel est le risque qu'il y a en France aujourd'hui. Après Macron, On est l'extrême droite. Voilà, on voit bien les dynamiques qui sont en cours. La seule alternative à la barbarie, c'est pas la défense du système actuel, ce qu'incarne Emmanuel Macron, c'est l'écologie. C'est une transformation profonde pour sauver la vie, pour sauver nos conditions d'existence et pour un modèle de société plus harmonieux qui permette à chacun d'avoir, j'aime beaucoup l'expression de Laurent Berger, d'avoir le pouvoir de vivre. Tout simplement. Romain Mazenod, RCF. Delphine Bateau, l'écologie intégrale, vous le savez, est défendue par de nombreux chrétiens. Quand l'Église en parle, elle accorde aussi une importance égale au refus de l'euthanasie, au refus de l'IVG. Est-ce que dans votre défense de la vie, vous incluez aussi ces combats-là? Moi, je pense que l'écologie intégrale, c'est l'écologie intégrale. C'est pas, voyez, l'espèce de volonté de s'en emparer par rapport à des théories sur l'écologie humaine qui consiste à vouloir utiliser, voyez, la cause de l'écologie au service d'autres combats. La question de la fin de vie est une question très douloureuse qui, pour moi, n'a pas de relation directe avec l'écologie intégrale. Et l'encyclique du pape, dans la définition qui est donnée de l'écologie intégrale, moi, mon propos est un propos politique, ce n'est pas un propos religieux, mais l'essentiel du propos, il n'est pas sur ce que vous venez de dire. Il est sur le lien entre la destruction environnementale massive du climat, du vivant, et les inégalités sociales. Voilà. Et c'est ça le propos de l'écologie intégrale, c'est d'expliquer qu'en fait, c'est l'ensemble du modèle de civilisation qui est destructeur aujourd'hui, et d'y apporter un remède. Et le propos de l'écologie intégrale politique, pour moi, c'est ça, c'est de dire qu'on part de l'impératif écologique pour en déduire
une politique économique, une politique budgétaire, une stratégie sur le plan de la politique étrangère. Je vais prendre un exemple. Quelles sont les conséquences pour l'Europe de la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris? Aucune. Aucune. Quelles sont les sanctions diplomatiques qui ont été mises en place? Aucune. Quelles conséquences ça a sur nos relations commerciales? Aucune. Eh bien, ça, ce n'est pas possible, en fait. Parce que si on pense que l'accord de Paris, il est vital, eh bien, il y a des conséquences dans nos relations avec les pays qui décident d'en sortir. Sinon, ça veut dire qu'on admet que c'est Donald Trump qui décide pour nous et qui décide qu'il n'y ait aucune action au niveau planétaire pour le climat. Ça, ce n'est pas possible. Dans votre manifeste, vous dites que la croissance est devenue l'indicateur de la vitesse de destruction de la Terre. Est-ce que ça veut dire que vous assumez clairement être pour la décroissance ? Je n'aime pas le mot de décroissance, parce qu'il donne à nos concitoyens cette impression qu'il est question d'un grand retour en arrière. Moi, je ne suis pas pour un retour en arrière, je suis pour un grand bond en avant. Et donc, je crois que le mot juste, c'est de parler de descente énergétique, de descente matérielle. C'est-à-dire, on doit réduire notre consommation d'énergie. On doit réduire notre consommation de matières premières. La consommation de matières premières a triplé depuis 1970. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus il y a une voracité destructrice. Ça, c'est quelque chose de plus possible. Et donc, il faut en revenir à des principes de sobriété. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'évoquais cette notion du pouvoir de vivre. C'est-à-dire que notre référentiel ne peut plus être celui d'une société d'hyperconsommation où on existe parce qu'on achète. Et cette notion de pouvoir de vivre, elle est très importante pour se dire finalement qu'est-ce qui est vraiment important pour nos existences. C'est l'air qu'on respire, c'est la nourriture qu'on mange, ce sont de revenir, si vous voulez, à des valeurs qui sont pas des valeurs de la société marchande. Oui, mais vous allez très loin, vous remettez même en cause l'idée même de transition écologique. Hein. Vous dites c'est tout de suite et maintenant. Ben, en fait, est-ce que c'est très politique ? Est-ce que c'est très politique de faire ça ? Quel chemin vous offrez aux citoyens ? La transition, c'est bidon. C'est-à-dire que la transition aujourd'hui, ça consiste à faire du greenwashing politique, c'est-à-dire de faire semblant, si vous voulez, qu'on est pour l'écologie, et à dire à nos concitoyens, ben, on va discuter de comment on fera de l'écologie en 2050. Non, le GIEC, il dit qu'il reste 12 ans. Donc s'il reste 12 ans, on doit prendre des mesures radicales maintenant, comme par exemple celle d'interdire les voyages en avion sur des trajets pour lesquels le train existe. Voilà, je prends un exemple simple, parce que ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et pour rebondir sur la question de Bernard Gorce, est-ce qu'il est facile d'alerter comme ça sur le risque d'effondrement, comme vous dites, de notre société, de notre civilisation, tout en donnant de l'espoir finalement, puisque les écologistes en 2009, s'ils ont réussi leur 16% aux européennes, c'est aussi parce qu'ils avaient soulevé une espérance. C'est un enjeu pour vous ? Mais nous voulons soulever une espérance, mais je crois qu'il faut dire la vérité implacable sur le mur, la falaise à laquelle que nous devons regarder lucidement. Et effectivement, cette conscience du caractère massif des destructions qui sont en cours provoque chez chacun de nous, et chez moi la première, ce qu'on pourrait appeler une peine écologique, c'est-à-dire une inquiétude profonde. Vous voyez, quand je vois le naufrage, la marée noire, 45 containers de produits chimiques dangereux qui sont tombés au fond de l'océan, c'est insupportable, en fait. Et il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que moi, je crois à la démocratie. Je sais que quand il y a une volonté populaire, elle peut trouver un chemin. Cette volonté populaire, elle est émergente avec les mobilisations de la jeunesse, avec les mobilisations de la société civile. Elle doit trouver une réponse dans l'espace démocratique, c'est-à-dire pas seulement dans une exigence, dans une dénonciation, mais dans un programme politique qui apporte des solutions qui soient à la hauteur du rapport du GIEC. Merci beaucoup, Romain Masneau. C'est Louis Dauphren qui va prendre la parole dans cette dernière partie de Face aux Chrétiens. Est-ce que vous n'avez tout de même pas peur, Delphine Bateau, pas peur, de faire peur justement aux électeurs avec un langage quand même très 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 inquiétant sur la situation qui nous attend là? Est-ce que vous ne risquez pas de faire fuir ces électeurs au contraire? Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Et en fait, ceux qui baratinent les électeurs sont ceux qui leur mentent, qui publient des tribunes en prenant le débat européen comme il était pris il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Ça, c'est un mensonge.
C'est un mensonge et ce n'est pas dire la vérité aux citoyens qui savent, parce que je vais prendre l'exemple de ceux qui habitent du côté des Alpes ou dans les Pyrénées. Il faisait 23 degrés à 1800 mètres d'altitude au mois de février. Vous croyez que les habitants de ces territoires, ils ne se rendent pas compte que quand même il y a quelque chose qui cloche, que ça tombe plus rond du tout en fait au niveau du climat? Donc non, il faut dire la vérité et l'affronter lucidement. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Non mais on pourrait dire que vous faites un peu comme les populistes, c'est-à-dire vous jouez sur les peurs, de même qu'il y a le seuil de non-retour pour l'immigration, c'est ce que disent certains populistes, il y a un seuil de non-retour pour l'écologie. C'est un peu la même dialectique, non? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que les populistes que vous venez d'évoquer, leur grande caractéristique est d'être climato-sceptiques en même temps qu'ils sont xénophobes, en même temps qu'ils sont sexistes, en même temps qu'ils sont homophobes. Parce qu'en fait, pour pouvoir faire croire aux citoyens que la réponse à des peurs, à des inquiétudes, c'est le repli dans le chacun pour soi, il faut nécessairement nier la réalité du réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, si Donald Trump et ceux qui l'inspirent en Europe sont en même temps populistes, en même temps sexistes et xénophobes et climato-sceptiques. Voilà. Parce que là, la réponse nationaliste qu'ils essayent de promouvoir, elle est nécessairement, elle doit nier les problèmes planétaires. Donc nous, le propos, il est exactement l'inverse. Et dans ce cadre-là, on a besoin de l'Europe. On ne peut pas affronter les enjeux du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, chacun pour soi dans son pays. On peut faire des choses dans nos pays, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas par rapport à l'échelle des problèmes, un problème qui est planétaire, par définition, et d'ailleurs ce serait... retrouver le sens de l'idéal européen d'un message universel à porter, que l'Europe soit le continent qui soit à la pointe de ce combat. Quelle part faites-vous dans l'innovation technologique, dans la résolution de ces problèmes d'écologie? Par exemple, la voiture à hydrogène, vous dites oui, il faut tout de suite imposer la voiture à hydrogène. L'homme volant, on a inventé l'homme volant, vous l'avez peut-être vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo... En fait, on peut faire aujourd'hui se déplacer en volant, ça existe. Hein. Ouais. Donc ça remet en cause, c'est une révolution inouïe. D'ailleurs, la police s'est rapidement enquise de mettre la main sur cette invention. Vous dites, il faut foncer sur ce type de choses? Il faut ne pas se rassurer à bon compte. Vous voyez, en pensant qu'on pourrait continuer sur le modèle actuel, parce que de toute façon, plus tard, on va trouver une technologie magique qui va régler tous les problèmes. Cette idée-là, elle est fausse. Maintenant, vous preniez l'exemple de la voiture à hydrogène, il faut mettre le paquet. Et il y a un retard industriel. Mais donc on impose aux constructeurs, c'est maintenant, c'est terminé. Il n'y a pas de politique industrielle. Qu'est-ce qu'a fait l'industrie automobile avec la complicité de la Commission européenne et des institutions européennes? Elle a organisé la tricherie l'affaire du Dieselgate. Elle a organisé... un combat permanent contre les normes écologiques dans le domaine de l'industrie automobile. Et elle combat aussi contre le fait qu'on s'intéresse et qu'on puisse développer en Europe des solutions liées aux véhicules à hydrogène. C'est un exemple du retard. Voilà. Vous parlez d'Elphine Bateau, un certain nombre de solutions technologiques, on doit aller dessus, et il y a des révolutions industrielles à opérer, mais attention à l'idée confortable, vous voyez que on n'aurait pas à organiser cette descente énergétique, cette descente matérielle, parce qu'on va trouver une technologie magique, ce qui est une conception paresseuse, vous voyez, des changements à opérer, c'est-à-dire on pourrait continuer parce que quelqu'un va bien inventer la solution, malheureusement. Vous parliez d'une complicité des institutions européennes. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour remettre cette Europe debout au niveau institutionnel? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa façon de fonctionner aujourd'hui? Je vais prendre un exemple. Le rapport de l'Agence européenne sur la base de laquelle a été décidé de réautoriser le glyphosate est un faux, c'est un copier-coller des documents de Monsanto. À soi seul, cette preuve-là d'une complicité terrible aurait dû justifier une décision d'interdiction du glyphosate, qui est un produit dangereux pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qu'on fait, c'est que l'on proclame la séparation des intérêts privés et de la
démocratie. Et donc, on interdit le conflit d'intérêts. On prend des décisions sur la base d'études scientifiques indépendantes et non pas sur la base d'études payées par Monsanto, Volkswagen, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Ce n'est plus possible. Et si on veut s'intéresser sur ce qui construit le désamour des institutions, des citoyens pour les institutions européennes, leur doute dans l'idéal européen, eh bien, cette faillite démocratique absolument insupportable, elle ne peut pas continuer. L'Europe au poids des lobbies, ça ne peut pas continuer. Une dernière question de Louis Dauphren. Sur Europa City, le triangle de Gonesse. La justice donne raison à ceux qui combattent le projet. L'État veut continuer. La ville de Gonesse a fait appel. Qu'est-ce que vous dites ? Que les opposants à ce projet ont raison. Et on ne peut pas continuer à détruire des terres agricoles alors que l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France est de seulement 3 jours. Donc des terres agricoles très productives en Île-de-France doivent servir à fabriquer de l'alimentation saine, de l'agriculture biologique. Voilà, tout simplement. Jusqu'où s'opposer si ce projet vient à avoir lieu du type Notre-Dame-des-Landes, par exemple, si on est dans cette configuration-là. En toute illégalité, ça fait quand même 2 fois que la justice dit qu'il y a une situation d'illégalité. Ce projet, si vous voulez, c'est l'archétype de la société bling-bling d'hyperconsommation que je dénonçais tout à l'heure. C'est, voilà, alors, on va vous mettre 500 boutiques à côté de l'aéroport, mais pour qui, en fait ? Pour qui ? Alors, très rapidement, Delphine Bateau, puisqu'on arrive au terme de cette émission, vous avez une toute petite minute pour conclure. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur l'Europe, aux téléspectateurs qui regardent KTO ? Qu'en votant pour l'urgence écologique, ils peuvent reprendre le pouvoir. Voilà, très simplement. Pas simplement envoyer un message fort, mais participer à la construction de la seule alternative aux dérives et aux effondrements qui sont en cours aujourd'hui. Merci beaucoup à nos deux invités, Françoise Sivignon et Delphine Bateau de Génération Écologie. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de KTO, de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.